السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. On commence par ce verset du Coran dans Surat Takwir 81, l'obscurcissement. Allah Ta'ala dit: quand le ciel sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché a-t-elle été tuée, et quand le ciel sera écorché, et la fournaise attissée, et le paradis rapproché, chaque âme sera ce qu'elle a apporté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous raconte ce hadith rapporté par Abu Darda radiallahu anhu dans le recueil de l'imam Ibn Majah authentifié par les muhadithoun, qui nous dit: je vous ai mis sur une voie nette, claire, précise, ne permettant aucune confusion. Elle est aussi claire le jour comme la nuit. Seul un homme voué à sa perte peut s'en détourner après moi. Aw kama qala alayhi salatu wa salam. Mes frères, Allah c'est le maître du temps. C'est le créateur du temps. Il jure par le temps. Il a créé la fin des temps. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de lire le Coran. On n'a pas le temps d'évoquer Allah. On n'a pas le temps d'invoquer Allah. On n'a pas le temps de prier la nuit. On n'a pas le temps de prier les surérégatoires à la maison. On n'a pas le temps. Métro, boulot, dodo. Mes frères, le sujet d'aujourd'hui, pourquoi nous, on assure notre voiture? Pour éviter qu'on ne la dégrade ou qu'on ne la vole. Quelqu'un qui te pose une question comme ça, t'es étonné. Pourquoi tu mets ton argent à la banque? Pour éviter qu'on me la vole. Pourquoi tu poses une question comme ça? Et pourquoi tu ne protèges pas ta maison? Ma maison de qui? De quoi? Du diable. Eh oui, le diable nous veut la pauvreté. Mes frères, la première fois depuis le début de l'islam, où les musulmans sont se réunis, pour la première fois, où les musulmans se sont réunis, c'est où? C'est dans une maison d'un garçon de 16 ans, qui s'appelle Arqam, le fils de Arqam. Les musulmans à la Mecque, il n'y avait pas de mosquée. Ils ne pouvaient pas exprimer leur religion. Mais où ils étaient? Dans la maison. La première fois, l'islam s'est installé dans les maisons. L'enseignement, le Coran, les paroles du messager de Dieu, l'éducation, la maison. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il faut sauver nos maisons. Tu peux peut-être pas sauver le monde,
mais tu peux sauver ta maison. Contre qui? Contre le diable. Le diable aujourd'hui s'amuse, lui et son armée, et il nous occupe du matin au soir. Oui, on est occupé du matin au soir. On n'a pas le temps d'adorer Allah dans nos maisons. Mes frères, aujourd'hui, le thème, c'est comment on va mettre le Coran à la maison. Parce que si je vous pose la question, lire le Coran à la mosquée, c'est facile. Pourquoi? Un, c'est la maison d'Allah. Deux, il y a l'ambiance. Trois, il y a les fidèles. Quatre, il y a les livres qui sont là. Cinq, il y a le tapis. Toutes les conditions sont là pour lire le Coran. Mais pourquoi à la maison tu n'es pas le Coran? Pourquoi tu ne pries pas les surrogatoires? Vous savez pourquoi? Parce que à la maison, tu as su tout faire pour te reposer. J'ai mis un écran 180. J'ai une cuisine équipée. J'ai une douche à l'italienne. J'ai un matelas XXL 180. Et où est l'endroit dans la maison pour adorer Allah? Il n'y a pas le tapis sous le tapis. Les livres rangés. Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, on pleure et il n'y a pas la religion à la maison. Ça ne m'étonne pas qu'on pleure du matin au soir. Après, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les raqis. Pourquoi? Pour lire le Coran à la maison. Je me suis assis avec le mufti de l'Aqsa en 2018. J'étais dans sa maison, je profitais de son savoir, quand tout d'un coup, un homme frappe chez lui. Et quand l'homme frappe chez lui, il le fait rentrer, il vient lui poser une question. Il lui dit, cher, je suis madroub. Ça veut dire, je suis possédé. Vous savez ce que va lui dire le cher? Lis le Coran. L'homme, il lui dit, est-ce que je peux mettre un CD? Le cheikh lui dit, c'est toi qui es possédé ou c'est le CD? Lis le Coran dans ta maison. Vous savez, la lecture du Coran, elle se décompose en trois parties. Soit tu écoutes le Coran, soit tu lis le Coran, ou soit on lira le Coran à la mosquée quand tu seras dans le cercueil. Mais ça sera trop tard. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On n'a pas le temps. Mais c'est faux. On a du temps. Mais c'est nous qui ne voulons pas se donner les moyens de prendre du temps. Vous savez, le jour où on va tomber malade, parce qu'on va tous tomber malade. Et puis le jour où tu iras à l'hôpital, parce que tu dois faire des examens, mais tu ne sais pas que quand tu vas rentrer pour ta prostate, tu ne sais jamais que tu ne vas plus sortir. Hein. Ah oui, tu vas sortir par le sous-sol. Et quand tu vas être à l'hôpital, et le médecin va dire, on va faire quelques examens. Et qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Pour éviter de m'ennuyer, tu veux prendre s'il te plaît un forfait télévision? Parce que je vais m'ennuyer. Est-ce qu'aujourd'hui on s'ennuie? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de lire le Coran à la maison. On n'a pas le temps de lire les hadiths à la maison. On n'a pas le temps de prier les prières surrogatoires à la maison. Mes frères, il faut sauver nos maisons. Parce que le diable, il nous veut la peau. Le grand savant Jalal al-Din al-Suyuti, dans Al-Jami' al-Sarir, regardez ce que Abu Bakr radiallahu anhu dit. Il dit que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Shaitan a dit, « Ahlaktuhum bil-dhunubi. » فهلكني بالاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالهوى فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. Voilà, il n'y a pas photo. Iblis a dit, j'ai détruit les humains avec les péchés. Mais eux, ils m'ont détruit en demandant pardon à Allah. Mince. Quand je me suis aperçu de cela, je les ai détruits avec les envies et les passions. Ils pensaient qu'ils étaient guidés et ils n'ont pas demandé pardon. En fin de compte, on a tout fait pour s'occuper à la maison. Regarde, on a fait un salon pourquoi? Pour se détendre, pour papoter, pour discuter. On a fait une cuisine pourquoi? Pour cuisiner. On a fait une chambre pour dormir. On a fait une salle de bain pour se laver. Où est l'endroit pour adorer Allah? Le tapis sous le canapé. Vous savez, quand j'étais petit, vous aussi, vous vous rappelez les anciens, quand on voyait nos parents prier à la maison, après, il pliait le tapis. Ils ne comprenaient pas. Ils nous disaient parce qu'il faut plier le tapis parce que le diable y prie dessus. Super, hein, franchement. Moi, ça m'arrange que le diable y prie aujourd'hui. Comme ça, il nous laisse tranquille. Depuis quand le diable se prosterne? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ فَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سُورَةَ الْبَقَرَةَ. Et quand nous dit aux anges de se prosterner devant Adam, tous se prosternèrent. Sauf qui? Le diable. Il ne s'est pas prosterné devant Adam, il va se prosterner. Même dans des mosquées, quand tu vois l'imam qui fait la prière, il y a des gens, des fidèles qui prient le tapis. Oh, ils le plient parce qu'ils ont peur que le diable vienne prier. C'est un truc de malade. Et à la maison, le tapis loup, il est planqué. La religion, 5 minutes. Mes frères, il faut que dans nos maisons, comme on a des cuisines, un salon, une salle de bain,
une chambre à coucher, il faut un endroit pour adorer Allah. Comme Maryam, son sanctuaire. Comme Oman Khattab, son sanctuaire. Ajib. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, 1383. Un des chefs de la tribu des Bani Salama. Il va voir le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ô messager de Dieu, il y a un torrent aujourd'hui qui nous a empêchés d'aller prier à la mosquée. Prières obligatoires. Il lui dit quoi ? Innaka ta'ti fi bayti fa tusalli fi makan atakhaddu musalla. Lisez-le en arabe. Ô messager de Dieu, peux-tu venir chez moi ? Car j'ai fait dans ma maison un endroit spécialement pour la prière. Est-ce que dans nos maisons, on a un endroit pour la prière ? Non ! C'est pour ça que personne ne prie. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui nous rappelle Allah. Quand tu rentres chez toi, la télé, elle est éteinte. La télécommande, qu'est-ce qu'elle dit ? Appuie, appuie, pour me regarder. Le frigo, il te dit quoi, Samsung ? Ouvre, ouvre, pour manger. Le lit, il te dit quoi ? Saute, saute, pour dormir. Mais qui te rappelle Allah ? Qui te rappelle la prière ? Et après, tu pleures pour tes gosses. Un musulman du quartier, musulman 100%, hein, quand tu le vois, c'est musulman 100%. Il vient me voir, il faisait la tronche. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive ? Je reviens du commissariat. Et pourquoi ? J'ai été en garde à vue. Mais qu'est-ce que t'as fait ? C'est ma fille qui a porté plainte contre moi. Ta fille ? Mais elle a quel âge ? 16 ans. Ta fille, pourquoi elle a porté plainte ? Parce que je l'ai frappée. T'es dingue, tu frappes ta fille ? Et pourquoi ? Elle me dit, parce qu'elle ne fait pas la prière. L'armée. On veut installer le dîne à la maison avec des coups de bâton. Mais on rêve. Et c'est pour ça qu'on pleure. C'est pour ça que dans la maison, il n'y a plus la religion. Il n'y a plus le Coran. Écoutez bien, Ibn Abi Zanad, radiallahu anhu, fils de Sahaba, il habite Médine. Il a dit, moi, mon père m'a raconté cette histoire. Lui, mon père, il avait l'habitude tous les soirs, après l'Isha, d'aller, quoi faire ? Nettoyer la mosquée de Médine. Et quand il sortait de la maison, il voyait, écoutez bien, la rue de chez lui jusqu'à la mosquée, toutes les maisons, il entendait le Coran. Oui. Abdallah ibn Mas'ud, éminent savant, compagnon, juge à Koufa, des tabi'in viennent le voir et lui dire, Abdallah ibn Mas'ud, on n'arrive pas à prier la nuit. Il a dit, c'est normal, c'est vos péchés qui vous empêchent de prier la nuit. Ibn Sirin, rahimahullah, très grand savant du Coran, un savant vient le voir et lui dit, Ibn Sirin, qu'est-ce que tu préfères, la prière ou le paradis ? Il a dit, mais c'est évident que je préfère la prière plus que le paradis. Et pourquoi donc ? Mais parce que, écoutez bien, le paradis, c'est pour mon propre plaisir. Mais la prière, c'est pour le plaisir d'Allah. Et le plaisir d'Allah passe avant mon plaisir. Alors nous, mes chers frères, avec quelle intention on prie ? Nous, on prie le jour par ordre d'Allah. Et on prie la nuit par amour d'Allah. Mes frères, il faut sauver nos maisons. Il faut installer la prière, le Coran, l'enseignement, la dua. La dua, c'est important. Talq ibn Habib, radiallahu anhu, il nous raconte dans le livre qui s'appelle A'mal al-yawm wal-layl, les œuvres du jour et de la nuit du grand savant Ibn Sunni. Talq ibn Habib est dans sa ville quand tout d'un coup, nous sommes à Damas, hein, le gouverneur c'est qui ? Abu Darda, radiallahu anhu. Et dit Abu Darda, ne rentre pas dans ton quartier. Pourquoi ? Parce que toutes les maisons ont brûlé. Réponse d'Abu Darda, impossible qu'Allah abandonne ma maison. Allah ne fera jamais cela. Et pourquoi donc ? Parce que le prophète m'a enseigné une doua que si je fais chaque matin, chaque soir, moi, ma famille et mes biens seront protégés. Quelle est cette doua ? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant alayka tawakkalt. Vous la connaissez tous. Jamais Allah fera cela. Talq lui dit, ben viens, on va voir le quartier, tu verras. Et Abu Darda l'accompagne. Et effectivement, tout le quartier avait brûlé, sauf la maison d'Abu Darda, radiallahu anhu. Ouais, mes frères. Pas de doua à la maison. Pas de Qur'an à la maison. Pas de... Mes frères, dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, hadith 2231, Abu Bakr radiallahu anhu raconte que le compagnon Muhammad ibn Salaman, dans une version c'est Muhammad ibn Sulayman, dit
je suis parti avec mon père, compagnon, je suis parti avec mon père pour aller visiter quelqu'un de ma famille qui s'est marié avec une fille de notre famille. Il faut le faire, visiter la famille. Nous avons passé la soirée, nous avons dîné. Ensuite, j'ai dit à une fille de la maison, « Petite, amène-moi de l'eau afin que je fasse l'ablution et que je me repose dans la prière. » Qui dit ça en 2021, « Je me repose dans la prière ?» Personne. On se repose quand on compte la thune. On se repose quand on pense au projet. Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais construire? Où je vais partir? Moi, le repos, il est dans quoi? Dans le matériel. Regardez ce qu'il dit à l'époque. « Amène-moi de l'eau afin que je fasse l'ablution. » Et je me repose dans la prière. Les compagnons étaient étonnés. Il y avait même Ali dans la maison. Il dit comment? Oui, car j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Qum ya Bilal, farihna bis salat. » Lève-toi Bilal et repose-nous dans la prière. Mes frères, on n'a pas trouvé le repos, ni dans la prière, ni dans le Coran. C'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne pleure plus. Aujourd'hui, mes frères, c'est dur ce que je vais dire. C'est très dur. Aujourd'hui, on ne pleure pas dans la prière. On pleure pas quand on lit le Coran. On pleure pas quand on évoque Allah. On pleure pas au Jumu'ah, mais c'est pas le pire. C'est que quand on va au janaza, on pleure même pas. On est en train de papoter de tout et de rien avec les mecs. Comment ça va? Où t'étais? Qu'est-ce que tu deviens? Où est-ce que j'ai acheté ça? Alors qu'on est en train d'enterrer le mec. C'est un truc de malade. Même au cimetière, tu pleures pas. Pourquoi? Vous savez, quand la maman est dans le salon et son enfant est dans la chambre, vous savez ce qui va se passer quand le bébé pleure? Regardez bien. Allah est le seul, unique qui peut faire ça. Personne. Aucun médecin au monde. Aucun scientifique au monde ne peut faire ça. Allah Ta'ala va quoi? Va créer la production d'ocytocine. Cette hormone qui va déclencher le lait dans le sein maternel. Qui peut faire ça? Et c'est nous, mes chers frères. On ne descend pas la larme sur notre visage. Comment voulez-vous qu'Allah mette la douceur dans la prière? Ouais, mes frères, on est triste de notre prière. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de Qur'an. À la maison, il n'y a pas de quoi? De dîne. À la maison, il n'y a rien qui nous rappelle. C'est pour ça que dans nos maisons, il faut faire un endroit urgent. La résolution 2022, c'est quoi? On est le 31. Demain, c'est le 1er. Il faut mettre une résolution. Demain, je commence à réfléchir. Comment ma maison, il y a la religion qui me rappelle Allah. Tout me rappelle à la dunya. Tout me rappelle pour manger, pour dormir, pour regarder un bon film. Je suis occupé, je n'ai pas le temps. Ce soir, oui, ce soir, c'est Qiyam al-Layl. Ce soir, je n'ai pas le temps, ce n'est pas Koh-Lanta. Demain, ce n'est pas Pékin Express. Après-demain, ce n'est pas la Casa des Papel. Après, ce n'est pas Squid Game. Non, comment moi, je suis en relation avec mon Seigneur. C'est ça notre but, mes chers frères. Comment j'installe le dîn à la maison? Comment j'installe le Coran à la maison? Comment j'installe les hadiths à la maison? Il y a 2 ans, je faisais quelques hadiths à l'Asr. Un musulman qui était là, il écoutait. Après, je pars avec quelques frères pour aller visiter des musulmans à l'hôpital. Ils en ont besoin, nos frères. Ils sont tout sales. Un musulman m'interpelle et dit, peux-tu me donner quelques minutes? Je dis au frère, allez à l'hôpital, je vous rejoins. Que se passe-t-il? Il m'a dit, mon épouse est dans la voiture. Elle pleure. Elle pleure, je ne sais pas comment faire. Peux-tu venir la réconforter? Qu'est-ce que je voulais dire, la pauvre dame? Bon, mais je viens. Je fais ça pour Allah. Alors la femme, elle est assise sur la banquette arrière. Moi, je suis à l'avant et le monsieur, il est à la place du chauffeur. Et la femme, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Une fois qu'elle a arrêté de pleurer, je lui dis, qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Elle me dit, voilà, le mari que j'aime, c'est lui. Et tu sais, quand on s'est marié, je suis tombée enceinte. Allah m'a donné un enfant. Mais il était trisomique 21, handicapé mental. Après, plus tard, je suis retombé enceinte quelques années plus tard. Et j'ai appris que mon enfant aussi, il est trisomique 21, handicapé mental. Après, plus tard, je suis encore tombé enceinte. Et j'ai appris que mon enfant était trisomique 21, handicapé mental. Et là, mon frère, je t'annonce une triste nouvelle. C'est que je suis encore enceinte et mon enfant est trisomique 21. C'est une épreuve ou c'est pas une épreuve? J'ai pas le temps de lire le Coran à la maison, mes frères. On n'a pas le temps. La honte pour nous, la honte. Vous savez que... Oh, tout le monde est parti à Montmartre une fois peut-être, la butte Montmartre. Puis vous allez, il y a une église. Vous la connaissez cette église à Montmartre? Elle s'appelle le Sacré-Cœur. Et quand vous voyez là, la hauteur du monticule, vous regardez tout Paris, c'est tout beau. Mais vous avez regardé ce qui se passe derrière, il y a une église qui s'appelle le Sacré-Cœur. Et regardez à droite sur le mur, à gauche et au milieu. Vous savez ce qui a marqué sur des bâches marron en couleur dorée? Peut-être qu'on n'a pas fait attention.
ici depuis plus de 125 ans. Ici depuis plus de 125 ans, il y a des gens qui prient leur Seigneur matin et soir. Venez prier votre Seigneur. 125 ans, cette mosquée est ouverte, 24 sur 24, on ne sait même pas. Et une maison, après l'Aïcha, c'est fini. Vous vous rendez compte? C'est des gens, hein, comme vous et moi. Ils viennent, ils s'inscrivent sur le site, ils passent une heure dans l'adoration comme ils le veulent. Une heure seulement la nuit, ça tourne à tour de rôle. À 7h du matin, petit déjeuner, tu pars au boulot. Moi, je n'ai pas le temps. Vous savez ce qu'il a dit? Salman al-Farisi, le grand savant, sahaba, pieux. Il dit, après la prière de l'Isha, les musulmans se décomposent en trois parties. Un, il y a les musulmans qui, après l'Isha, s'adonnent à l'adoration. Gain pour eux, bénédiction. Allah les protège dans ce monde et dans l'au-delà. Deux, il y a la deuxième partie des musulmans qui, après l'Isha, s'adonnent aux vices et aux péchés dans le secret. Ma femme dans la chambre, mes enfants dans la chambre, c'est bon, je regarde smartphone. Allez, les cochonneries, et ça glisse, et je regarde. Il s'adonne aux péchés et aux vices, dans le secret. Personne ne te voit, tu es dans ta voiture, tu es dans ton petit coin, dans ta chambre. Hein? À eux, la malédiction de Dieu sur la terre et dans l'au-delà. Et la troisième partie, c'est après les chats, ceux qui rentrent chez eux et qui dorment et ne gagnent rien. Mes frères, il est temps de mettre le Coran à la maison, de mettre la religion à la maison, de mettre le doua. Tu mets ton petit tapis, tu te débrouilles, tu fais une moussalla, tu fais un endroit qui te rappelle Allah. Nos maisons, c'est pas les endroits où le... Je termine avec ça. Vous savez, c'est quoi la pire des maisons? La pire des maisons, c'est une maison qui est en ruine. Deux, où il y a le diable. Trois, et avec un mort. Vous allez me dire, c'est pas possible, Faïssa? Oui, en ruine, avec le diable, il y a un mort. Oui, et il y a des millions de musulmans qui ont des maisons comme ça. Je vous le dis, un, dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, de 1904, Ibn Abbas anhu, a dit que le prophète alayhi salat wa sallam a dit Inna alladina laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal bayt al-kharib. Celui qui ne retient aucune lettre du Qur'an, c'est comme une maison en ruine. 1. Maison en ruine. 2. Dans le recueil de l'imam al-Muslim, 780, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète alayhi salat wa sallam a dit La taj'alu buyutukum maqabir. Ne réduisez pas vos maisons à des cimetières ou des tombes, car le diable s'en va de la maison où on lit Surat al-Baqarah. Maison ruine, le diable. 3. Abu Musa al-Ashari, 3204, dans le recueil des mêmes al-Bukhari. Celui qui se rappelle d'Allah et celui qui ne se rappelle pas de lui, c'est comme le vivant et les morts. Aujourd'hui, il y a des maisons en ruine. Parce que nous, on n'a pas su la distinction, ce que c'est qu'une maison et une habitation. Allah le dit dans le Coran, dans Surat les abeilles. Oui, dans Surat Allah Ta'ala, il dit au verset 80. Regardez ce qu'il dit. Wallah ja'ala min buyutikum sukana. Allah fait de vos maisons des habitations. Allah distingue bien ce que c'est qu'une maison et une habitation. Une habitation, c'est habité par des habitants. Une maison, il n'y a pas d'habitation, il y a des chauves-souris et des toiles d'araignées. Il ne faut pas que nos maisons soient des endroits où il y a le diable. Avant de partir à la deuxième partie, je termine avec ce hadith dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal, 2331. Abi Hurayra radiallahu anhu nous raconte que une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons. Ils étaient dehors. Et il s'est assis un moment tout seul avec Abu Bakr radiallahu anhu. Quand tout d'un coup, un homme arrive et se met à insulter Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à sourire. Il ne rit pas, il sourit. Abou Bakr supporte les insultes et à un moment il va craquer et il va répondre à l'homme. Alors le prophète va faire montrer de la désapprobation sur son visage et il va se lever. Abou Bakr, étonné, va partir et va dire « Oh messager de Dieu, quand il m'insultait, tu souriais et quand j'ai répondu, tu es parti. » Écoute bien Abou Bakr et écoutez tous les frères. Écoute bien Abou Bakr. Quand l'homme t'insultait, il y avait un ange qui répliquait à ta place. Mais quand tu as répondu, l'ange est parti, le diable a pris sa place. Et moi, je ne reste pas à un endroit où il y a le diable. À nous de choisir. Qu'est-ce qu'on veut dans la maison? Le diable ou les anges?
à nous de choisir. Subhanak Allah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah Ta'ala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dit dans Surah Tahrim 66, verset 6. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijara. Allah dit, oh vous les croyants, protégez-vous ainsi que vos familles d'un feu ardent dont les pierres et les humains seront le combustible. C'est pas du gaz ni du pétrole. C'est quoi le combustible? Les humains et les pierres. Alors mes frères, on a commencé tard, j'ai terminé avec une histoire. Cette histoire, elle va tout résumer. Tu peux avoir toute la science du monde. Tu peux dire, je sais tout, parce que du matin au soir, dis, je connais tout, je sais tout, t'as rien à m'apprendre. Cette histoire, elle m'a choqué. Et c'est une histoire qui a changé ma vie. En 1989, je suis parti visiter un savant, on m'a dit, il s'appelle Cheikh Mohamed Hamidullah. Rahimahullah, il est décédé. Je vais à Paris, et quand je vais là-bas, ensuite, après, le Cheikh me dit, viens, on va aller visiter une mosquée, il y a un imam, on va lui demander s'il veut bien inviter ce grand savant. Je lui dis, je t'accompagne. Moi, j'étais dans le gaz, hein. J'étais en taquini, je connaissais rien de la religion, même aujourd'hui, je connais rien. Et je l'accompagne. Et on prend la voiture, j'oublierai jamais, j'avais une typo rouge et je lui ai passé le volant. Et on a roulé. Je dirais pas où, bien sûr, par respect. Et quand on a pris la route, on a traversé une forêt et au bout de la forêt, il y avait un feu rouge. Il y avait un feu rouge. On a attendu qu'il soit au vert. Quelqu'un frappe à mon carreau. J'ouvre la fenêtre et c'était une femme à moitié nue. Dans mon fort intérieur, j'ai dit Astaghfirullah. Parce qu'il ne faut pas dire Astaghfirullah devant les gens, ça les blesse. Du genre, t'es meilleur qu'eux. Dans mon cœur, j'ai dit Astaghfirullah. La fille, elle m'a dit Salam alaikum. Ça tombe bien, aidez-moi. Au secours, s'il vous plaît. En fin de compte, c'était un endroit où il y avait des prostituées. Cette fille a dit aidez-moi au secours. Moi, je ne savais pas quoi répondre. J'attends que le cheikh il parle. Et le cheikh il dit, excusez-nous madame, on n'a pas le temps, on doit partir. S'il vous plaît, Allah vous a mis sur mon chemin. Aidez-moi au secours. J'en peux plus, je veux arrêter ce que je fais. Dieu n'aime pas ça, j'ai fait ça seulement pour nourrir mes enfants. Allah vous a mis sur mon chemin. Aidez-moi s'il vous plaît. Ça a duré quoi, même pas une minute. Le cheikh il a craqué quand même. Il a dit, ok ma soeur, ben écoutez, on va sortir de la forêt, il y a un banc, on va se garer dos à dos. C'est normal. Les hommes, ils sont faibles, les frères. Il faut baisser les yeux. Donc la sœur, elle s'est assise. Oui, c'est une sœur parce qu'elle fait partie de la communauté musulmane. C'est une maghrébine. Je ne dirais pas quel pays, hein, de l'Afrique du Nord. Et donc, elle s'est assise. Puis moi, on s'est assis de l'autre côté. Et le chéri commence à parler. Les grandes femmes de ce monde. Aïcha, Somaya, Khamsa, Zainab, Umm Kalthoum, Fatima. Toutes les femmes pieuses. Et la femme, elle commence à pleurer. Elle pleure. Et nous, on a pleuré avec. Et après un certain moment, le frère, il prend un papier, un stylo, et dit, voici le numéro de mon épouse. Demain, vous pouvez aller la voir, elle va vous apprendre la religion. Mashallah. Qu'Allah récompense ce cher qui était champion de karaté. Ajib. Ensuite, la femme, elle voulait nous remercier, elle a dit, je vous invite à venir chez moi boire un café. Et le cher, il ne savait pas comment répondre. Écoutez, madame, ce n'est pas évident, mais notre religion, ce n'est pas évident, mais on ne peut pas aller comme ça chez une personne. Elle me dit, je vous comprends, je vois ce que vous voulez dire. Elle dit, vous allez où maintenant? Ben, on s'en va, on va dans telle mosquée. Mais vous connaissez l'imam de la mosquée? Non, on ne connaît pas. L'imam, c'est mon père. L'imam, c'est mon père. Mes frères, sauvez vos gosses. Sauvez, c'est pas la peine de prendre le bâton à la maison. Si tu ne pries pas les sunnas à la maison, c'est pas la peine de prendre la tête à tes gosses. Parce que tes gosses, ils vont te détester. Ils vont détester la religion. Donc si on lit le Coran à la maison, à la mosquée, c'est bien. Mais à la maison. Le prophète, dans le dernier hadith que je vais dire, dans le recueil d'Imam al-Bukhari, il a dit quoi le prophète, selon Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit la meilleure prière, c'est celle qui est faite à la maison, sauf la prière obligatoire. La meilleure prière, c'est celle qui est faite à la maison, sauf la prière obligatoire. Et il a dit, ya yuhannas, sallu fi buyutikum, aux gens, priez dans vos maisons, car la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de nuit. Allahumma adina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Mes chers frères, aujourd'hui, c'est la fin de l'année. Les étudiants qui viennent ici le dimanche, des étudiantes, mes frères, elles ont 19 ans, elles n'ont rien à manger, elles ne peuvent pas terminer le mois. Des jeunes étudiants, l'avenir de la Ummah,
Peut-être qu'on n'a pas tous fait des études, mais eux, c'est l'avenir, les cerveaux de demain. Et croyants et pratiquants, ils n'ont rien à manger. Par pitié, mes chers frères, on a besoin de remplir la caisse parce que tous les dimanches, on achète des aliments pour leur donner afin qu'ils puissent nourrir et qu'ils puissent quoi ? Faire leurs études. Donc, mes chers frères, on a récolté pendant les trois khutbas. Inch'Allah bin Allah, à la fin de la khutbah, on donne pour nos étudiants, on donne pour les gens qui sont dans le besoin, on ne les laisse pas crever. Si on aide quelqu'un dans ce monde, Allah va nous aider dans ce monde et dans l'au-delà. Allahumma, on te demande la foi complète. Et une langue évocatrice. Et un cœur qui te remercie. Et une science profitable. Et une bonne intention. Et une vie d'excellence, un paradis élevé. Toi qui connais le poids des montagnes, et toi qui connais le nombre de gouttes d'eau dans les mers, et toi qui connais le nombre de grains de sable dans les déserts, et toi qui sais ce qui se cache dans le cœur d'une fourmi noire, sous une pierre noire, dans une nuit noire, Allahumma descend le Coran dans nos maisons. Allah fait sortir les chayatines de nos maisons. Allah met les anges dans nos maisons. Allah donne-nous du temps dans nos maisons. Par pitié, fais que nos maisons soient des endroits qui nous rappellent de toi, de ton messager. Allah, fais qu'avant la mort, il y a la religion dans les maisons. Allah, mets la lumière dans notre cœur. Mets la lumière dans notre visage. Mets la religion dans nos enfants. Allah, mets que nos maisons soient des exemples et des modèles. Allah, mets les paroles du prophète dans nos maisons. Allah, mets la prière de nuit dans nos maisons. Allah, mets le Coran dans nos maisons. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallait ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ce soir, chacun, il commence à adorer Allah dans sa maison. Barakallahu fikum. Aqimus salat.